Salutations, citoyens. Et maintenant... Non, que fait-on? On donne ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'il s'empresse de ne rien en faire. Trois autres Templiers ont été... Il n'a pas l'air de beaucoup l'apprécier. Pas par nous. Les Templiers ont pris l'habitude de s'entretuer depuis 89. Il se prend pour un grand homme de paix. Les Templiers. Il se croit capable de mettre terme à la guerre entre assassins et Templiers, de pacifier la Révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Et c'est mal? C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les Templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort de Jacques de Molay. Et nous faisons la chasse à de... Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Arpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent? Si cette maudite trêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Cette trêve avait été conclue avec le grand maître de la serre. Et cela fait 2 ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'ils ne se tournent pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Sivert. Sivert était là-bas? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de Monsieur de la Serre, n'est-ce pas? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris. Et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Sivert. Tu apprendras ses secrets, et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix, comme le dictent nos préceptes. Bonjour, citoyens.
Salut Arnaud. Comment va mon ami ?